Les élections ont des tailles et des formes différentes. On connaît bien les élections fédérales et provinciales, mais qu'en est-il des autres? Les élections régionales et municipales comptent aussi, plus que vous ne le croyez. Pendant que vous êtes aux études, le gouvernement municipal a un énorme impact sur votre vie quotidienne, qu'il s'agisse de l'annulation du service d'autobus que vous utilisez, des services de la bibliothèque publique, du nombre de bons emplois d'été, de la liste d'attente pour une place en garderie, entre autres. Le gouvernement municipal a un pouvoir réel sur les décisions qui vous concernent. Et vous avez le pouvoir de décider qui dirigera ce gouvernement. Lorsque vous votez aux élections municipales, votre voix se fait entendre dans votre collectivité. Une élection municipale est une des premières et des meilleures occasions pour vous, en tant qu'étudiante ou étudiant, d'avoir une influence sur ce qui se passe dans votre quartier et dans votre ville. Vous pouvez aider à faire changer les choses. C'est pourquoi vous devez voter en octobre. Même si c'est la première fois que vous le faites, même si vous vivez dans une petite ville, même si vous n'avez pas encore pris connaissance de tous les faits, de tous les enjeux et de tous les candidats, ne ratez pas l'occasion d'avoir une influence sur les enjeux qui comptent pour vous dans votre vie quotidienne. Engagez-vous dès aujourd'hui à voter aux élections municipales en octobre. Faites connaître les enjeux qui sont les plus importants pour vous sur votedunegeneration.ca. Votre vote compte, faites qu'il compte.